Bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Charland. Nous sommes le 16 décembre. N'oublie pas, il faut parler plus fort parce que la dernière vidéo, on n'entendait pas trop notre ami Pierre. Il est toujours en bac pro commerce. Donc là, on va encore vous présenter quelques jeux qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Donc moi, d'abord, je vais commencer par moi, si tu veux bien, ça va être rapide. On va vite fait faire un petit tour d'un jeu qui m'a marqué. Il s'appelle Soldier. C'est un petit jeu de plateforme aventure. Ça me fait penser un peu à un Castlevania-like, vous allez voir. C'est un très très bon titre, ça sort le 24 février, donc c'est pas tout de suite, 24 février 2023. Et un petit jeu old school, avec un petit éditeur indépendant, mais il est vraiment très très bien. On vous montre tout de suite quelques images. Allez, à tout de suite! Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, on était en train de discuter juste avant, donc c'est un bon petit jeu de plateforme, mais tu verras bien. Oui. Et puis, tu auras peut-être l'occasion de venir l'acheter au magasin. Ouais. Ouais, dans tous les Dynamic Games, il sera disponible, de toute façon, vous inquiétez pas. Alors, toi, tu voulais nous parler d'un jeu, vas-y, on va enchaîner, parce qu'il y a pas mal de jeux à montrer. Donc, il se nomme Pikmin 3 Deluxe. Hop, je montre à la caméra ce que c'est. Voilà. C'est sur Switch. Donc, en fait, c'est un jeu assez sympa où vous devez explorer une planète. Avec des animaux assez mignons, hein. Des Pikmin. On peut les voir, oui. Et, des petites bestioles avec une fleur au-dessus de la tête. Et le but, du coup, bah, ça sera d'échapper, de faire en sorte de repartir de la planète après avoir écrasé leur vaisseau sur la planète. Tu ne l'as pas écrit? Fallait l'écrire, tu ne l'as pas écrit C'est ça, il faut récupérer des morceaux de vaisseau pour pouvoir partir de la planète. Et vous avez Pikmin qui vous donne la possibilité d'aller les chercher à droite et à gauche. Donc voilà. Des Pikmin avec des possibilités de feu, de glace, qui résistent à feu, à glace, qui portent des poids lourds. Il y a des combats avec des boss. Je vous conseille ce jeu, c'est un très très bon titre. C'est parti des blockbusters en fait. C'est ça, on peut dire que c'est un bon titre. Oui, oui. Toi, ça t'a plu. Ouais, on montre quelques images rapidement. Allez, c'est parti les amis, quelques images. Thank you.
Voilà, très bon jeu Pikmin. Titre, ouais, déconseillé, c'est pas hyper violent, mais par contre c'est assez difficile à jouer. Donc vous allez voir, il faut le maniement au niveau des touches, c'est pas évident. Donc il y a un certain temps d'adaptation. Donc ouais, on va dire le jeu est de 3 ans, mais en, bon, on va dire au moins 7, 8, 9, 10 ans pas avant, 8, 9 ans pour pouvoir y jouer. Et t'avais un autre jeu à nous présenter là. Oui, donc c'est Mario et les lapins crétins. Donc là j'ai donc un jeu assez drôle, hein, avec les lapins crétins, comme bah du coup c'est assez crétin. Donc un jeu assez basique où à la fin en fait bah faut essayer de vaincre un monstre. Et bah du coup c'est un tactique RPG, un tour par tour, c'est-à-dire vous déplacez vos personnages comme dans le premier, en tour par tour sur des cases, sauf que là il n'y a pas de damier, vous pouvez aller où vous voulez. Et ce qui va changer sur celui-ci, donc ce dernier modèle, c'est que vous avez possibilité pendant le tir adverse de bouger. Alors qu'avant, on ne pouvait pas bouger, on se mangeait le missile dans la tête. Donc un petit jeu de combat avec lapin crétin, donc super crétin, vous allez voir. On va vous montrer quelques images. C'est pas mal du tout, mais c'est pareil, c'est le niveau de difficulté un peu plus élevé, donc pour les plus vieux. Voilà, allez, c'est parti pour un Mario lapin crétin. Oui. Sharp of the Oops. Dans une contrée lointaine, les ténèbres s'éveillent. Notre destin est entre les mains des plus grands héros de la galaxie. Des héros assurément à la hauteur. Dans de nouveaux mondes magiques, ils se feront de nouveaux alliés. Du plus sauvage au plus loufoque. Au plus... waouh. Ah oui. Et Bowser aussi. Ensemble, ils doivent sauver ces terres de leur emprise maléfique. Les chasseurs de Sparks sévissent à travers la galaxie. Et le sort semble être contre eux. Cette équipe improbable devra rester soudée pour triompher. Mais un secret encore plus sombre tapis dans l'obscurité pourrait bien absorber la plus brillante des lumières. Les plus grands héros passent à l'action. Ensemble, ils sont le dernier espoir de la galaxie. Et bien voilà. Alors, qu'ils ont pensé? Très bien, très bien. Ouais. Bon, on a essayé de faire un petit test. On va faire un dernier test. Donc, parce qu'il y a des gens qui nous attendent dehors. Donc, on va se dépêcher rapidement. Donc, on va vous proposer du God of War Ragnarok que je présente plus, forcément. Donc, très bon titre, graphiquement magnifique. Donc, interdit aux moins de 18 ans, c'est pas pour rien. Donc, je vous conseille de bien faire attention lorsque vous l'achetez. Alors, vous avez un petit résumé du jeu du précédent God of War avec Atreus. Vous allez voir, c'est un très bon titre, graphiquement parlant. Il est magnifique. Très bon jeu. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit résumé. Dès le début du jeu, vous pouvez faire un petit résumé du précédent épisode pour pouvoir vous remémorer un peu l'histoire. Les maniements n'est pas évident, mais une fois qu'on l'a en main, il est magnifique. Alors, une grosse différence graphique entre la version PS4 et la version PS5. La version PS5 est vraiment sublime, sublime, surtout vous avez une clé 4K. Alors là, c'est ce qu'on entend derrière, les petites chansons de Noël avec Gran Turismo. Donc voilà, donc on va vous montrer quelques petites images de God of War, mais que je présente plus et qui est exceptionnel. Ça, c'est un jeu à pas louper, les amis. Allez, à tout de suite. Peggy 18. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime.
te connais. Le tueur de Dieu. Qu'attendez-vous de moi? Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? Je peux pas t'en parler, mais tu dois me faire confiance. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant je te suis. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte. Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Que imposteur! Le père de tout! La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Et voilà, voilà, très bon titre. Voilà. Bon, on sait quelques jeux pour Noël. On va se dépêcher parce qu'il y a des gens qui attendent dehors. Il y a une demoiselle qui attend, donc on va se dépêcher. Donc, on vous dit à très bientôt. Peut-être pour une nouvelle vidéo. On présentera encore quelques jeux. Je serai tout seul, peut-être avec un stagiaire. J'ai un stagiaire surprise à partir de la semaine prochaine. On risque de faire pas mal de vidéos avec lui. C'est Jonathan, il s'appelle. C'est un mec vraiment très, très, très sympa. C'est un stage, je pense, on va bien rigoler pour ces fêtes de Noël. Ben, bonne fête à tous. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. T'es d'accord, mon Pierre? Oui, bien sûr. Ouais. Bye bye, à bientôt les amis. Au revoir. Salut.